sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely and I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Turn my head up and down, turn and turn and turn and turn and turn it around, and all that I can see, just a yellow lemon. Salut à tous, avec le Gauthier Gallego. Toujours en mode confiné, on s'occupe, on s'occupe. Et aujourd'hui pour vous, je voudrais vous expliquer comment on joue le morceau Lemon Tree de Fool's Garden. Ça, c'est un des hymnes de mon adolescence, hein. Je l'écoutais en boucle quand j'avais 15 ans. Ça et la tribu de Dana, je me souviens très bien, j'avais les deux singles. Donc sachez que c'est un groupe allemand, Fool's Garden, je ne savais pas. Et que Lemon Tree est sorti sur leur deuxième album studio, Dish of the Day, en 1995. Oui, ça rajeunit pas, mais bon. Et juste avant de commencer, je fais un petit coucou à Laurence, hein, Lolo, des cours Skype, avec qui j'ai posé ce titre et qui, du coup, m'a motivé à vous le présenter en tutoriel. Allez, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors, pour ce morceau, on aura besoin de tous ces accords-là. Ah ouais, je sais que ça fait bizarre, hein, quand on les voit tous à l'écran, comme ça, ça fait beaucoup. Mais si vous faites de la guitare depuis un moment, normalement, vous les connaissez déjà tous. Alors, on va voir section par section. Déjà, l'intro, on en aura besoin que de 3. Hein, ça calme un petit peu le jeu, ça fait mi mineur. 7ème case en barré, tac tac. Ensuite, si mineur. Je remonte ces deux doigts là en 9 et 9 des cordes de la et ré. Voilà. Vous pourrez ôter le petit doigt éventuellement pour faire un accord de si mineur 7 si vous préférez, ça change que dalle. Et ensuite, deux cases à gauche, la mineur ou bien la mineur 7. C'est pareil, vous choisissez la couleur que vous préférez. Ok, de toute façon, l'important n'est pas à gauche mais vraiment à droite. Alors, je vous ai concocté une rythmique qui n'engage que moi, hein, bien sûr, mais je trouvais que ça s'adaptait plutôt pas mal sur cette chanson. Alors, première étape. Essayez de choper la rythmique type reggae acoustique qui donne ceci. D'accord. J'ai fait la note fondamentale, donc la 7ème case du La, le Mi. Je garde le poids des doigts à la main gauche, je gratte mon accord. Et dès que c'est fait, j'ôte le poids de la main gauche. Donc je pique l'accord. On appelle ça une attaque staccato hein, en italien. Donc 1, 2, voilà. 1, 2. Donc le plus difficile, c'est d'arriver à le faire vraiment très sec. Ce qu'on veut éviter, c'est genre la basse. Ça dure un peu et ça s'enlève après. Non, on n'a pas le temps. Ce qui compte, c'est que ce soit super sec. Super staccato. D'accord, c'était les deux premiers temps. 1, 2. Ensuite, je tape sur la caisse comme ça sur le troisième temps, avec mes trois doigts là. 1, 2, 3. Et le quatrième temps, je repique l'accord fin de la rythmique dite reggae acoustique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On pourrait faire ça quasiment tout du long. La rythmique que j'ai jouée dans le cover au début est tout petit peu plus riche, étant donné que ça se passe comme ça. Alors, dans le détail, le début c'est pareil. Je tiens ma basse, je pique l'accord, d'accord. Ensuite, je tape la caisse. Et après ce tapage de caisse, au lieu de retaper vers le bas, je vais faire une remontée. Donc durant cette remontée, le poids de mes doigts n'est toujours pas réenfoncé, ce qui fait qu'on a des dead notes. Noir, noir, deux, coche. Noir, noir, deux, coche. Donc on a fait les trois premiers temps. 1, 2, 3, et. 1, 2, 3, et. D'accord. Le quatrième temps, on retape vers le bas. Je repique mon accord, comme dans la rythmique précédente. Et après ce staccato, je remonte à nouveau sans pression de la main gauche pour avoir une nouvelle fois des dead notes. Donc la rythmique finalement, c'est noir, noir, deux, croche, noir, noir, deux, croche. C'est juste qu'à la main gauche, il faut bien gérer quand il y a du poids ou quand il n'y en a pas. Donc noir, noir, deux, croche, noir. Encore moins vite. 1, 2, 3 et 4 et. D'accord. 1, 2, 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4 et 1. 2, 3 et 4
si vous avez ça, bah, il n'y a plus qu'à l'exploiter sur tous les accords de chacune des parties. Alors dans l'intro, on a besoin de cette grille-là. Mi mineur, si mineur, mi mineur, si mineur, la mineur, si mineur, mi mineur. Et un petit break avec des harmoniques. Donc je vous le fais. 3, 4, mi, 3, 4, si, 3, 4, mi, 3, 4, si, la mineur, si mineur. Et sur cette mesure, pardon, je vais faire donc noir, pic, suivi de ceci. Donc j'ai fait 1, 2, je tape 7e case du gros mi, 10e case du gros mi, et pour la dernière mesure, je tape uniquement le premier temps de la note mi. Donc les mesures 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et j'aime bien, ça remplace un petit peu le verre qu'on casse. Donc j'ai fait les harmoniques en 12e case. Hein, pour les harmoniques, je me place par-dessus la barre en fer, par-dessus la frette, qui est entre la 12e et 13e case. Je n'appuie pas du tout. Hein. J'utilise ce doigt-là exprès parce que déjà, je trouve qu'il se met bien à plat, bien parallèle à la frette. Et en plus, il ne risque pas d'appuyer trop fort. Donc dès que vous avez gratté, vous ôtez le doigt afin que les cordes puissent continuer à résonner. Voilà, vous savez faire toute l'intro. Je vous refais un petit coup. 1, 2, 3. Ensuite, c'est le début du couplet. Donc là, c'est pareil, on va conserver exactement la même rythmique et on l'applique désormais sur cette grille-là, qui est quasiment la même. Hein. Donc c'est parti. 3, 4. Sitting here in the boring room. Mi, 3. Mesure 5. Most of my time I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. La mineur. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et comme tout à l'heure dans l'intro, 3, 4, 1, 2. Ce coup-ci, je fais les harmoniques en 5e case, c'est pas obligé. Mais disons que ça apporte un petit truc en plus. C'est pareil qu'en 12, sauf que ce coup-ci, je suis entre la 5e case et la 6e case, ici, sur la frette, de la même façon. Et pour être sûr que ça sonne bien en 5e case, il faut bien gratter à droite. Oh. Voilà, ça sonne beaucoup mieux que si vous êtes ici. Ça marche, mais c'est un petit peu moins puissant. Donc les mesures 11 et 12 de ce couplet. 1, 4, 1, 2, 3, 4. Cool. Et là, on referait une deuxième fois le couplet. On l'a toujours deux fois. Et ensuite, nous voilà rendus sur le refrain. Donc ce coup-ci, je vous ai fait des accords ouverts, histoire que ça prenne pas mal d'espace. Et là, pareil, pour que ce soit plus dynamique et que ça crée un gros contraste avec le couplet, j'ai arrêté de faire mes accords piqués. Je garde la même rythmique, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1. Mais je m'embête plus, donc, à ôter le poids des doigts. Alors un petit coup ensemble, cette rythmique. Basse, accord, paf, au bas, au basse. Accord, paf, au bas, au basse. Accord, paf, au bas, au. Voilà. Il n'y a plus qu'à placer ça sur chacun des accords de la grille. Grille que voici. Donc seul impératif pour que ce soit bien cette partie, il faudra bien choper la bonne basse en fonction des accords qui sont joués. Les accords c'est sol, ré, mi mineur, si mineur. Les basses se placent donc, quand on joue le sol, sur le gros mi. Quand on joue le ré majeur, sur la basse de ré à vide, sur le mi mineur, c'est le mi, sur le si mineur, c'est deuxième case de la corde de la. Après on aura do, pareil, deuxième case de la corde de la, ré à nouveau, bon, sol, ré, voilà. Et à la fin de la grille, on aura do, et puis do dièse, enfin la basse do dièse. Il faudra bien gratter la corde de la. Ok. Alors je vous fais déjà les 8 premières mesures, sachant qu'à la 8e, je vais rajouter un petit bidule, histoire que ça ressemble encore davantage, avec une ligne de basse incorporée. 2, 3, 4, I wonder how, I wonder why, yesterday told about the blue, blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. C'est là. C'est joli, non? Donc, si je prends le sol là, qui précède le ré avec descente de basse, je fais donc basse, gratte, tic, au bas, un petit hop, d'accord? Le hop, c'est quand j'enlève les doigts de la main gauche, sauf si doigts en commun, c'est le cas de l'annulaire. Donc, basse, accord, paf, au bas, hop. Ensuite, je me place sur le ré, et c'est là que la rythmique change, puisque je vais faire bas, haut, suivi du 3 de la corde de la, 2 de la corde de la,
là, à vide. Et je conserve ça, parce que si vous grattez trop loin, ça évitera que ça fasse des notes un petit peu à côté. Donc que la mesure de Ré. Ba, O, Dun, Dun, Dun. One again. Ba, O, Do, Si, La. 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 Voilà. Donc, je vous refais ces mesures 7 et 8 et j'enchaîne sur la suite et fin. Basse, accord, paf, O, Ba, O, Ba. Juste cette dernière ligne, donc le Do, bon, ça va. Après, je grimpe mon annulaire en quatrième case du La, je barre ici, je fais gaffe à pas faire sonner le petit Mi, je fais la même rythmique, basse, accord, paf, on va, hop, Ré, tic, et je reproduis comme tout à l'heure, une deuxième fois, la même chose. Je vous refais à nouveau cette dernière ligne, et puis c'est bon. Dès que vous avez fait ça, on repartira sur ce qu'on pourrait appeler le post-refrain, qui est en fait l'intro à nouveau, enfin la même grille que l'intro. Donc bam, badam, badam, didam, dam, badam, dam, didam, dam, dam, dib, didam. Et là, vous avez le choix, soit vous refaites le coup des harmoniques, soit vous faites rien, histoire que ce soit pas trop attendu, quoi. Bon, bah je vous refais d'affilée intro, couplet, refrain, il restera juste le pont, et vous savez tout faire. 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. Cinq tout à l'heure. Dommage. On referait le couplet une deuxième fois, blablabla, bla bla, et maintenant refrain. I wonder how, I wonder how. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. Attention. Turn on my hand, up and down. Turn and turn and turn and turn and turn it around. Cool. Rendu ici, on serait parti sur deux nouveaux couplets. À la fin du deuxième couplet, on a le break, c'est-à-dire... Mais au lieu de faire les harmoniques en 12, en 5 ou rien du tout, on va balancer ce petit plan-là. Ouais, ça c'est trop classe. Donc je vous refais cette fin de deuxième couplet qui mène au pont. 1, 2, 3, 4, 1. Donc les notes sur la corde de La. 2, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 2. Voilà. Et ici, on va avoir un 6 septième, tout ça. Là, je change un petit peu la rythmique pour que ça fasse un petit peu bavarois comme ça. Je vais faire une alternance de basse. Ça fait un petit peu la fête à la bière. C'est noir, deux croches noires, deux croches noires, deux croches noires, deux croches noires. La première noire, je fais la fondamentale. Deuxième case de La, en l'occurrence sur le 6-7. Deux croches. Après, je bouge mon index en deux du gros Mi. Et je refais deux croches. J'ai fait une mesure. Basse. La basse d'en dessous, la quarte juste. Basse. Ok. Après, en Mi mineur, je commence par le gros Mi. Et j'alterne avec deuxième case du La. Première ligne de ce pont. Isolation.
Et là, on va avoir un ré septième. Donc, je commence par la fondamentale de ré vide. Et j'alterne avec le la basse. Et là, break en sol. I don't wanna be sit on a lemon tree. Fin. Il vous restera à faire couplet, puis refrain. Et c'est terminé. And nothing ever happened. And I wonder. Sit right on the lemon tree, etc. C'est difficile de s'arrêter quand on lance. C'est tellement cool, ça me rappelle quand j'avais 15 ans. J'ai raté. Ben voilà, avec ça, vous savez absolument tout faire, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Bon, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ben si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit abonnement qui fait plaisir, et surtout laissez des commentaires, comme ça on peut échanger un petit peu. Et en cette période un petit peu compliquée, ben si vous souhaitez faire un don, ce sera très apprécié. Je vous laisse le lien dans la boîte de description YouTube. Vous pouvez sinon les consulter, mes packs payants, hein, c'est très très bien, c'est des packs pédagogiques téléchargeables, qui traitent de tout plein de sujets, il y a des bandes annonces pour chacun d'eux, vous allez voir, c'est quand même bien fait. Prenez soin de vous, restez à la maison, parce que là on est en plein dedans, c'est pas le moment de sortir. Et moi je me charge de vous occuper à ma façon. Faut savoir que ça m'occupe aussi, hein, tant qu'à faire d'être enfermé, autant être productif. Hein. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.